salut, je prends 5 minutes avec vous seulement maintenant puisque je suis arrivée hier soir au Canada. Après 15 heures de voyage, je vous avoue que j'étais trop fatiguée pour vous parler ou pour faire quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai pas pris le temps de vous faire un petit point. Mais sachez que je suis au Canada. Pour ceux qui ont suivi, j'ai été invitée au Festival Fry, qui est un festival littéraire pour représenter ce que je fais, c'est-à-dire pour représenter BookTube. On est vendredi 22 avril et il est 7h25. À 7h30, je dois être en bas, donc on va faire très très vite. Je dois être en bas parce que j'ai un rendez-vous à 7h40 à la radio locale et ensuite j'enchaîne direct à 8h avec les premiers ateliers BookTube dans une classe. Je vais essayer de vous embarquer avec moi et voilà, on y va, c'est parti. Évidemment, mais c'est un festival où on se pose des questions sur l'avenir aussi en ce qui a trait aux livres. Et salut! Je viens de passer une journée de taré, donc ce matin 7h50 radio, ensuite école, alors de 8h à maintenant, 14h35, j'ai fait rencontre sur rencontre, présentation de BookTube sur présentation de BookTube avec des élèves. Il y en avait partout, je crois que j'ai rencontré au moins 150 élèves, c'était un truc de fou. Là je suis épuisée et donc du coup, et ben pour me récompenser, je suis à la mer. Mais ils ont le paysage adéquat pour lire, ces gens-là. Me voilà rentrée à l'hôtel. Je tiens à dire quand même qu'aujourd'hui ça a été une journée exceptionnelle. J'ai pas arrêté. Ça a carburé, c'était vraiment vraiment super. J'ai rencontré des gens tellement gentils. Les gens sont super attachants, les paysages sont fous. Je suis, mais genre j'en ai plein les yeux. Et voilà, là je veux juste me poser un peu. Parce que mine de rien, il est 22h30 chez vous. Et ici, bah pas du tout, hein, vous l'aurez constaté, il doit être 17h30, un truc comme ça. Et je suis claquée. Donc je vais me poser, je vais me détendre. Et pour me détendre, on va faire du bullet journal. Et puis, juste, je voulais juste vous dire que c'était vraiment une putain d'expérience. Et que, voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont accueillie. Parce que c'est pas fini, mais... c'était dingue, voilà. Allez, on se détend maintenant. On va bulleter. Actuellement au festival Fry et je m'apprête à assister à la conférence de Alain Mabankou qui a écrit, vous savez, Petit Piment. Voilà, il est très 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 sympa. Je viens de passer un petit moment avec lui et ce soir j'ai rendez-vous au consulat pour manger et puis voilà. Couscous. Il est bientôt 19h après la conférence de Mabankou et de Sophie Langlois. Je suis rentrée à l'hôtel avec eux en fait et je me suis posée un peu, j'ai travaillé. J'avoue, je me suis un peu endormie finalement, le décalage horaire, je commence à le ressentir. Là, je dois vite me préparer puisque ce soir on doit se rendre chez le consulat de France pour un dîner. Oui, et avant ça, on va aller boire un coup. Monté 2000.
est 1h du matin ici, 6h du matin chez nous. Je rentre de chez le consul de France où j'ai passé une super soirée. C'était très très bien. On a très très bien mangé, on a été très très bien accueillis. Enfin voilà, s'il passe par là, merci beaucoup parce que j'ai vraiment passé un séjour de taré. Demain, c'est le dernier jour au Canada pour moi. J'ai une discussion sur BookTube et l'avenir de la critique littéraire à midi. Avant ça, j'aimerais bien aller au supermarché qui se trouve quand même à 3 pâtés de maison. Alors je vous dis ça, vous allez me dire, Émilie, sale feignasse. Mais ici, tout est en XXX. XXXXXXXXL. Je voulais vraiment acheter des produits locaux, et notamment des trucs un peu cochons, comme on dit ici, des trucs un peu gras qu'on retrouve qu'ici. Sachez juste que j'ai passé un moment juste merveilleux. C'était une expérience de dingue, des rencontres fabuleuses, enfin, une ambiance vraiment génialissime, un pays sublime. Une population juste accueillante et merveilleuse. Bref, c'était juste trop bien. Et voilà, donc je remercie l'Acadie tout entière de m'avoir accueillie. Je remercie le Festival Fry, toutes les personnes qui ont fait en sorte que ça soit possible que je vienne ici. Voilà, j'ai vraiment... j'ai même pas les mots en fait. Donc voilà. Voilà. Ma première fois au Canada et j'espère pas la dernière. Et je vous dis à demain. À demain. On est dimanche, il est midi et je fais la dernière activité à Moncton avant d'aller prendre l'avion. Donc là, je suis à la table ronde. C'est une table ronde ? Ouais, où on va présenter BookTube et ce que je fais et ma chaîne et tout ça. Regardez-moi ça. Voilà. Et je suis avec Adeline et Jean-Baptiste. Hello. Voilà. Et donc, voilà, c'est la dernière étape avant le retour à la maison. Et puis, c'est parti. Vous êtes tous, mais il y a quelques aspects un peu...